Et nouvel épisode. Pardon. Et toi, tu fais fin de l'épisode. Ouais. Bonjour l'épisode. Hello. Bonjour, je tag, hello. Salut. Grüezi. Hola. Etc. Privet. Privet. Na zdrowie. Ah non, rien à voir. Et du coup, pour la personne qui nous suit, si tu nous entends et tu nous écoutes et que tu n'es pas un robot comme la personne qui nous suivait tout à l'heure, eh bien, je t'informe que nous sommes en train de conquérir l'Europe. Parce qu'on a des petits airs Napoléon comme ça. Voilà. Et je suis Cyberpangolin et je suis avec Vassili. Pour ceux qui l'auraient. Voilà. Et c'est pas celui que vous entendez le plus en fait qui filme. Enfin, qui diffuse. Ça veut dire quoi ça? Je parle trop? C'est-à-dire que bah, on t'entend déjà plus fort normalement après les réglages son à la con là. Et puis en plus, oui, là, c'est toi qui parle tout le temps donc. On se dire, le mec arrive, il t'entend lui dire bonjour et tout, il pourrait penser que c'est toi qui diffuse quoi. Ouais, bon, c'est pas bah, faux. Il a capturé une tour. Il a fait une tour. Qu'on veut donc. Ah là là. De toute façon, on perd des bonhommes pour aller là-bas. N'empêche, quand il y a un truc embêtant qu'on n'a pas fait encore, c'est se faire l'Italie. Oh, ah, il y a un ennemi à gauche, l'Italien justement. Quand on parle du loup, etc. À gauche. Ah oui, la vert. Et à gauche, ça dépend. À gauche de quoi? À gauche de notre empire, je crois pas. Mais à la gauche de la droite, tu vois. Parce qu'on est en train. En fait, il est complètement encerclé. Voilà, pour ceux qui se demanderaient, il est. L'Italie est. Pour ceux qui regardent chez moi, elle est là. Et du coup, ben, le mec vert. Italien, eh ben il est on est en train d'encercler. Involontairement, hein. C'est juste que notre pays est configuré comme ça. L'encercler, de très très loin, quand même. Oui, oui, mais on est quand même tout autour de lui, de tous les côtés. Il peut quand même prendre la moitié de l'Allemagne et France avant de nous rencontrer, quoi. Ouais, et ben on va lui péter les dents. Et là, tu pars tout seul de toute manière, puisqu'il y a plus personne qui nous regarde. Ah, ils sont repartis. Ils ont fui. Oui, oui. Non, putain, ils sont encore au moins deux là-dedans. Je peux envoyer des renforts, oui, vite. Bon, du coup, lui aussi, il envoie des renforts. Bon, là, attends. Armée. C'est le général. Il en a beaucoup, il en a beaucoup, beaucoup moins. Là, 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 là. On va finir par l'épuiser. Et non, je fais une forteresse juste à côté. Et puis, ok, alors là, c'est assez drôle avec l'IA. Ça commence une course de construction pour voir qui c'est de nous deux qui verra le plus vite. Avec l'Italie, hein. Ouais. Oui, parce que du coup, il a commencé à. T'avais commencé une forteresse. Oui, oui. Lui, il avait une barricade. Ouais, sauf qu'il n'y a personne dans la barricade, donc il faut absolument choper plus de terrain. Ouais, et puis... Attends, et la barricade est pas. Et la personne dedans en fait. Voilà. Ah, ça y est, ils l'ont pris. Et ça t'a pas pris machin, puisqu'il y avait ma forteresse. Ouais, bah c'est très bien. Et du coup, on peut l'attaquer. C'est vrai. Alors, son armée. À l'assaut ! Ouais, mais on n'arrive pas à progresser sur la Grèce. Mais on va réussir, il faut juste trouver du. Faut juste trouver le charbon en fait. Faut juste prendre le temps. Non, parce qu'on a assez de troupes, mais c'est juste le taux de. Enfin, le taux de renfort, comment dire. On a les troupes, mais le temps qu'elles arrivent sur place. Ah, putain, il y a de la circulation, non? Le problème, c'est qu'ils vont s'entraîner aussi. Je crois qu'il faudrait arrêter l'entraînement. Ils n'arrêtent pas de repartir pour s'entraîner aussi. Non, non, mais au contraire, ça c'est excellent. Un soldat plus fort vaut largement deux soldats en face. Oui, mais le problème c'est que ce soldat plus fort, bah, il fait 40 km. Mais c'est pas grave, on a bien assez de monde du coup, pour. En ce temps-là, les autres ils crèvent. Non, non, mais on a bien assez de monde. Tant qu'on a du monde en stock, y a pas de soucis. Et le stock de soldats actuellement, on en a 48. Hein, donc. Oh là là, c'est très la guerre là. C'est très très la guerre. Faut quand même penser un truc, c'est que comme on joue avec une vitesse multiple, on est actuellement à. On est à plus de 9 heures de jeu déjà. Une dizaine d'heures en fait. Ouais, ça veut rien dire. Ouais. Surtout que toi, j'ai l'impression que
jamais en vitesse moins, donc... Pardon ? Tu joues jamais en vitesse 1 ? Sauf le tout début du jeu, mais sinon, non. Moi, je joue facilement x10, x15, donc... C'est vrai que là je suis en tourisme. Tu sais, un truc fun en Espagne, c'est qu'on a laissé... Il y avait un ou deux arbres qui traînaient. Et maintenant, c'est en train de se reboiser complètement. Enfin, ça prend son temps, hein, mais... Du coup, j'ai remettre des bûcherons pour rentabiliser ça. Ça fait 30 heures que j'attaque une tour, là. Ça me dure... Dès que j'ai un bonhomme qui est mort, j'en renvoie un autre. Ah, mais tu vas les avoir à l'usure, comme ça. Hein. Ouais, justement, c'est comme on en a plus. Ouais. Oh oui, celui qui... J'en ai un qui arrive, là, il est très bien amélioré. C'est impressionnant. Je sais pas les icônes, je sais pas les déchiffrer. Quel type de cœur est le plus fort? Quel type de, alors, de petit zigzouille est le plus fort? Là, je sais même pas à quoi ça correspond. Alors, c'est une protection de perçage ou... C'est attaque, esquive. Attends, non, c'est attaque, défense, niveau de quantité de points de vie. Donc la défense divise les points de l'attaque d'en face. Ça, et puis le dernier, c'est esquive. Ouais, si tu veux, attaque, armure, vie et esquive. Et alors l'esquive, l'idéal c'est d'avoir esquive, le... Enfin, l'idéal c'est toujours d'avoir le plus de rouge possible. Voilà. Et le plus de blanc et le plus de rouge. Mais le plus de rouge c'est mieux que le plus de blanc. Basiquement, ça, surtout. À chaque fois je découvre qu'il y a encore des mecs avec toute leur vie qui sont dans la tour, quoi. Oui, parce qu'ils se soignent dans la tour. Oui, enfin, s'ils rentrent et qu'ils sortent en instantané, ils sont pas finis quand même. Ouais. Pourquoi t'as mis en 0,5? La la la. Je pense que moi j'ai une personne qui suit Twitch normalement. C'est genre j'avais fait un stream tout pourri sur Age of Empires, je crois. Ouais. Et le mec avait mis ça et puis depuis il est jamais retourné sur la chaîne, je crois. Donc j'ai un abonné qui n'est pas abonné. D'accord. Enfin, je sais pas si c'est un j'aime, si c'est un je m'abonne ou le cœur sur Twitch. Je sais pas. Comment ça marque un truc, moi, follower, hein, je sais pas quoi. Followers, oui, donc suiveurs, c'est une sorte d'abonnement normalement. Ouais, ouais. Bon, alors là, c'est vachement bizarre cette attaque là en bas. Il se passe absolument que dalle. C'est genre les mecs qui sont en train de faire une danse. La la la, boum boum. De la tour, j'attaque depuis tout à l'heure là. Ouais, ouais. La barricade italienne, pardon. Ah, parce que tu dis en bas, c'est parce qu'il y a plus bas. Comme front. Bon, bah pour l'instant, la bataille pour la tour s'est arrêtée et je fais toujours pas. La bataille pour la alors, tour du milieu. Il y a des renforts qui s'amassent. Ouais, bah voilà, j'ai voulu accélérer aussi. Quelle idée. D'accord. Ah, t'as mis fois combien parce que. J'ai mis, je suis passé à 6, je redescends au fur et à mesure. Ah, fois 2, 5, ça joue chez moi. Fois 3 aussi. Bah écoute, ça tient en x3, restons en x3. Non, ça tient pas en x3. Ah, chez moi ça tient en x3, pardon, en x2. À part ça, j'avais lancé un truc là. Non, mais t'es sérieux, ça fait des heures que j'avais construit mon truc. Ah, y'a personne pour construire le bâtiment. D'accord, c'est genre le mec qui construit, il est à l'autre bout du monde et puis. Ils peuvent pas prendre les ouvriers locaux, il faut prendre l'ouvrier qui vient de... Moi il y a pire, hein, va voir en Russie, hein. Il y a même les bâtiments qui sont arrivés, mais il y a personne dedans. Il y a toujours... Mais si, il y a du monde maintenant. Et il y a manque de soldats par contre, mais ça ils vont arriver. Oui, mais ça fait très longtemps en fait. C'est normal. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a... Ok, on a 8 tonnes de bois, 1 de bois dur. Bon. L'expédition en Russie n'est pas un franc succès. C'est comme Napoléon. Et c'est comme les armées nazies aussi. Bah ça payait être un grand succès comme. Ouais mais au final. Il aurait pas voulu attaquer. Il aurait pas voulu attaquer la Russie en même temps. Enfin, il aurait pas voulu faire double front, franchement, ça serait peut-être sorti. Hein.
Probablement, en tout cas mieux. Parce qu'ils ont fait des jolis trucs bien foirés aussi, les Américains et les Anglais. Hein. Ouais, bah c'est toujours. Moi j'ai regardé justement, j'ai regardé un pont trop loin avant-hier, je crois. Tu Eh, connais? ça me dit quelque chose, ouais. Bah, un pont trop loin, l'opération Market Garden là, Oui. ils ont envoyé plein de monde pour faire un pont, pour prendre les ponts, quoi, un pont de troupes, pour faire une percée en Hollande et ils ont tout perdu quasiment. Bah, c'est ça la guerre, hein. Tu tentes et puis des fois ça marche, puis des fois pas. Est-ce que n'importe. Alors là, j'ai ramené du renfort, et du coup, je peux attaquer avec 15 personnes. Voilà. Ouais, puis le Ça, charbon, t'as intérêt à on n'a jamais gagner. produit autant de charbon, ça c'est cool aussi. C'est grâce. J'aime parce que depuis. Tu dis qu'on arrive à produire plus de charbon depuis que j'ai rajouté un charbonnier chez moi. Non, non, mais ça n'a rien à voir, hein. T'as pas vu le nombre de mines que j'ai construites? Je sais pas, peut-être une dizaine, quelque chose comme ça. Alors là, si. Avec 15 soldats, j'ai intérêt à l'avoir, la tour. Voilà, et donc, voilà, il y en a un qui sort. Ah, j'ai 8 gars de plus qui vont pouvoir venir aider parce que. En Oh, fait, j'ai un entrepôt là, c'est trop cool. là, je suis en train de vider l'armée verte, mais ça prend beaucoup de temps. Du coup, ce serait cool d'avoir plus de monde à mettre là-dessus. C'est frisé. Oui, chez moi aussi, c'est frisé. C'est frisé, mais tu sais, il y a une qui s'est ouvert entre deux. C'est genre le truc, il a fait un slip dans le freeze. Voilà, il envoie des renforts un par un, comme ça je vais bien pouvoir lui niquer toute son armée. Yeah! Allez, on envoie plein de gens pour tout péter. Du coup, mon entrepôt, ouais, c'est ça, il sert à alimenter deux fronts en fait. Où il est placé. Oh, le nombre de mecs qui sortent de l'entrepôt dans toutes les directions. Ben c'est normal. Et on les laisse faire. Enfin, il faut vraiment penser, du moment qu'ils vont dans un truc d'entraînement, c'est qu'il y a encore du monde dans l'entrepôt. Donc à partir de là, ça vaut la peine les entraîner parce qu'ils sont vraiment beaucoup beaucoup plus efficaces et plus forts. C'est que la bataille pour la tour n'est toujours pas terminée. Voilà, va voir la bataille d'Italie, là ça se transforme en boucherie. C'est un peu Je suppose que t'as. Ah non, t'as pas l'air d'avoir progressé sur la carte. Ah si, bon, attends. Hop. Ah Tu oui, est-ce que construis là, plein de trucs. j'ai construit la forteresse avant, ok. Si, t'as récupéré du. Non, t'as pas récupéré de terrain. Pour la l'Italie, là, non, rien du tout. L'Italie. Rien du tout. Ah, par contre, il y a un truc qui fume chez lui, il y a un truc qui Ah, brûle. oui, je viens de le péter celui-là, mais en fait, ça sert à rien parce qu'il y a une barricade à côté qui est pleine de soldats, donc. D'ailleurs, il a bientôt une forteresse qui est prête, ça m'embête bien. Parce que ça veut dire que s'il a une forteresse, ben, poum. Oh, c'est quoi ce bruit? Non, c'est pas moi qui ai gagné la tour. Non, c'est juste deux bâtiments de plus qui sont remplis. Puis je peux renvoyer 12 mecs en plus pour aller se bastonner. Ouais! J'ai buté un verre. Ah, toi-même, t'as limité, t'as demandé à ce que la vitesse aille pas au-dessus de 1,5? Bah Parce sauf que si, sauf si. j'appuie, je fais merde, ça fait Tu rien. tiens vraiment à friser? Je l'ai fait par sécurité en fait. Ah, moi j'adapte constamment à la puissance disponible. Ouais. Bon, ça reste en général à entre 0,5 et 2,5. Là, tu vois, en x3, ça va. Ouais. C'est pas fluide, fluide, mais tout se passe bien. Pas de, ça s'arrête pas, quoi. Que là, mon combat depuis tout à l'heure, ça fait au moins un quart d'heure que je regarde la même chose et que ça se bat. Bah, tant mieux. Il ramène tous ses bonhommes un par un, mais c'est bien parce que d'après les statistiques, son armée baisse tout doucement. Ouais. Ah, j'ai trouvé 8 soldats depuis ça a La envoyé. Oh, le freeze. nôtre aussi d'ailleurs. Hein. La nôtre aussi elle descend d'ailleurs.
Ah, ça c'est pas bien alors. J'ai pas regardé là, de ce côté-là, tu vois. Écoute, je vais ramener plein de gens du front ibérique. Voilà, ça fera genre 15 ou 20 soldats de plus. Ouais. Bon, là-bas, comme on a rien trouvé, on va pouvoir libérer. Ah, maintenant, t'as déjà fait là, il n'y a plus rien du tout non plus dans la forteresse. Il y a un donjon en construction là-bas, c'est sérieux? T'as grandi tes trucs là-bas, toi? Attends, où ça là-bas? Je regarde sur ton truc. Ah oui, oui, tout oui, à droite de mon, oui, bien de mon sûr. terrain. Bien sûr, parce qu'il faudra bien aller plus loin après. En attendant, je vais démanteler la sentinelle que t'as à côté. Hop. Ah, oh, ça change rien, ça. La barricade aussi. Parce qu'en plus, elle est dans le terrain de forteresse. Bon, on n'a jamais... Ouais, avec oui. Les éclaireurs, ils voient qu'il n'y a rien à part de la pierre. Tiens, on va faire une carrière. On n'a jamais produit autant de charbon. Par contre, la production de hache, ouais, ça monte un peu, mais c'est pas ouf gueudin, qui disait. Je commence à parler comme un jeune, tout va bien. En même temps, t'es un peu jeune. T'as quel âge, toi? 24. 24, oui, bon, on a à peu près le même âge, donc. Bon, ça tourne. Ah, c'est toi qui as baissé drastiquement la vitesse? Non, c'est moi, ça me rend compte. Tu sais plus ce que tu fais? Je sais pas, mais je regarde à ce coup, 0,5 chez eux. Ah, il a pété sa tour! Yeah! Lui-même, il s'est détruit ça, son truc. Non, mais je crois que c'est pas ça, ça a pété à cause de la tour d'à côté qui a repris de l'influence, donc. Parce qu'il y a des mecs qui ont pu rentrer dedans. Donc, du coup, la baston continue en fait. Bon, moi je vais envoyer des renforts là parce que je commence à plus avoir d'armée sur place. Voilà, je peux renvoyer 9 bonhommes à sa tour. Comment ça, 8 sur 9, voilà, 9 sur 9. Du coup, l'armée. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, faire les deux fronts en même temps, c'est pas forcément une bonne idée, on perd des troupes là. Ouais, enfin, on a quand même l'armée la plus puissante. Moi j'espère juste que perdre des troupes plus vite que nous, quoi, mais. Alors, si je regarde. Mais là, c'est pas garanti, hein, quand tu regardes nos courbes. Oui, oui, le vert, il perd largement plus que nous. Pour moi, ouais, c'est. Ouais, mais. Et le puis. Noir, par exemple, tu vois, je suis pas persuadé qu'il perd plus vite. Il y a aussi un truc que tu tiens pas en compte, c'est que j'ai mis en place quelques systèmes de fonderie supplémentaires qui sont je ne sais plus où, mais qui existent. Et j'ai mis, je viens de mettre en construction genre 5 ou 6 trucs en plus, des ferronneries, des, comment ça s'appelle, ferronneries, forges, des forges, elles ont changé de nom 12 000 fois, les forges. Et ça permettra moi, ça de faire des. Ça fait 30 ans que j'ai un entrepôt en construction et il a 0% en fait. Est-ce qu'il est vraiment relié au. Il a toutes les ressources. Il a toutes les ressources. Ah, mais il manque le mec dedans pour construire les. Produire les outils alors. C'est ça. On a 26 H. Non, c'est juste que tout est lent. Très 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 lent quoi. Bon là, c'est. Ouais, ça c'est la limite d'avoir un grand empire, et c'est ça qui devient intéressant, parce du coup... Et pourtant, on a des drapeaux partout sur les chemins, hein, pour aller plus vite. Ouais. Non, on est bien optif, franchement. On se débrouille pas mal. Compte tenu de la surface qu'on a... Mais c'est pas encore assez. Du coup, là, par exemple, je vois que j'ai plein de boulangeries. Elles sont pleines d'eau, mais elles ont pas de grain. Pas de truc de. J'ai dit du grain. Elles ont pas de blé. De blé. Il leur faut plus de gens. De blé. Des blédards. Yeah. Voilà, il commence à baisser la tête. Notre ami le. Alors, surveillons qu'on n'ait pas un autre ennemi qui arrive de côté. Quoi, ça marche. C'est de la. Ah, c'est un ennemi. Blanc. Blanc? Ouais, la Russie où je colle. Alors, le blanc, c'est la Russie, effectivement.
Ah oui, on y voit effectivement. Mais tu vois, il y a de la marche, bon, on est Oui. tranquille. Ok, bah fin de l'épisode. À plus. Ciao.